Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes beau, j'espère que vous êtes grand, j'espère que vous êtes fort. Eh ben écoutez, la plus grande des belles surprises pour moi, je reviens des États-Unis, je me dis tiens, j'ai 2-3 vidéos à tourner, mais je vais quand même une petite détente, hein. On va faire du Guild Wars 2. Je réapparais bien évidemment en pleine Arche du Lion, étant donné que c'est là que je m'étais déconnecté la dernière fois avec Azuludo justement. Qui Azuludo du coup n'est pas dans cette vidéo, hein. Big up à toi. Non, en fait, super surprise, enfin mauvaise surprise, je me connecte, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me connecte, je reçois mon cadeau des 6 ans, donc je refais un peu mon style. Je vais dans monture, parce que vous voyez, j'ai mes montures d'Halloween, et je me dis, tiens, je vais mettre des montures, d'autres montures. Puis je clique simplement, là, comme ça, vite fait, sur Raptor, et puis je fais, mais, what? Il manque une monture? Une aussi classe? Non, il y a un problème, il y a un souci, il y a un big problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais vite voir, en stress, en méga stress. Et là, je vois un pack de montures royaume démentiel. Le stress, parce que je vous ai promis de toutes les avoir. Oui, je vous l'ai promis. Et je ne peux pas passer à côté de ça. Du coup, ni une ni deux, j'ai lancé l'action et je me suis dit, ben, on va enregistrer ça direct, la détente, ce sera plus tard. Et en plus, elles sont vraiment très très sympas. Donc on va pouvoir vérifier ça, on va peut-être même voir avec différentes couleurs. Donc pour l'instant elles sont à 1600 gemmes au lieu de 2000 gemmes. Voilà, bon là je vais le faire vite fait comme ça. 1600 gemmes, ça nous vaut combien à l'heure actuelle? 1600 gemmes, ça nous fait bah, plus ou moins 532 PO. Plus ou moins. Oh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Alors... je vous ai fait une vidéo de celle-ci aussi, récemment, qui change dans la vidéo, on n'avait pas forcément montré, mais la nuit et le jour, là vous voyez, il lui manque, là non, là elle a toute sa peau, non elle a pas sa peau, et le jour sa peau réapparaît, donc voilà, ça c'est assez pas mal. Il y a plein de trucs qui sont en sol là, je sais pas vraiment, je vais pas me prendre de trucs, en général les apparences d'armes, je ne prends pas, je vais prendre ça tout de suite, direct. Inventaire, j'ai plein de merde dans mon inventaire, toujours pas trié. Alors, utiliser. Par contre, là, vite fait, je remarque un truc un peu chiant là en fait. Attendez, je vais recliquer dessus. Chacal, griffon, frappe sol. Ok, il y a toujours pas. Ah, ils ont fait cette erreur monumentale. Il n'y a pas pour. Le scaraboule, c'est chiant. Bon, soit. Oh putain, t'es trop beau. T'es où? T'es là. Oh, mais qu'est-ce que tu es sexy. Attendez. Mais non, elles peuvent pas être vraiment toutes aussi belles comme ça. Oh, avec le rouge et tout, c'est trop beau. Bon, celle-là, je vais la laisser là, parce que c'était la seule vraiment que j'avais dit que j'avais un peu... Mais encore, elle a pas vraiment un style... C'est la coccinelle, elle s'en fout. Il n'y a pas vraiment un style Halloween. Peut-être, ouais, je vais mettre le crâne, voilà. Finalement, je vais rester dans un style Halloween, du coup. J'ai celle-là. Ouais, alors, en style Halloween, si je me pas plante... Ouais, là, elle est très moche. Elle est très très moche. Mais c'est parce que j'ai mes couleurs spéciales pour l'autre. Que je vais garder. Je vais garder celle-là pour le griffon pour l'instant. Du coup, qu'est-ce que ça va donner de si beau? Wouah, c'est trop beau. Ah non, et c'est vraiment beau en fait. C'est trop beau. Wouah. C'est trop classe. Alors, si je dézoome. Ouais, attendez, parce que là j'ai. Ça va pas le faire comme je veux, parce qu'on a le toit. Si je vais ici maintenant. Oui! La petite chauve-souris. Un troll chauve qui sourit. Qui apparaissent également. Et ici. Ouais, toujours cet effet. Oh, c'est vraiment sympa. Punaise, si j'étais passé à côté, mais la rage que j'aurais eu. Oh, non, quoi! Bim! Ces petites ailes là. Est-ce que le chacal va faire un truc?
Alors on a un effet rouge qui du coup à mon avis rentre en corrélation avec le faciès qui est juste là. Et on a cet effet de disparition avec les chauves-souris, réapparition qui fait vraiment comme ça. C'est vraiment super sympa en fait. Donc ça c'était ça. Voilà. Maintenant, bah, le griffon, bah, voilà, le griffon, c'est mon griffon comme ça. Hein, mais que je trouvais, je sais pas pourquoi, j'ai une impression de super méga fluidité avec celui-là. Que vous pouvez toujours acheter aussi. Hein, ici dans le style monture, vous pouvez toujours le prendre. Voilà. Alors oui, alors vous voyez un petit truc important, j'en parle vite fait. Les licences d'adoption de monture, je vais avoir un gros souci pour les futures vidéos. Je pense que ça va me poser problème. À voir avec avec Azu, on est en train de voir s'il y a une possibilité de moyenner un truc. C'est que je ne sais plus acheter ceci étant donné que je suis en Belgique et qu'il y a une loi qui est passée en Belgique qui dit que techniquement, comme c'est de la loterie, c'est un jeu d'argent. Et du coup, je sais pas, il y aurait une histoire de taxe ou d'âge limité. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc, ArenaNet a simplement décidé de bloquer cela pour la Belgique. Ce qui m'arrange pas du tout. On est très clair là-dessus. Ça m'arrange pas des masses. Mais comme vous voyez, ici, les soldes, c'est les licences d'adoption de monture. C'est la sélection. Ça veut dire que là, vous sélectionnez la monture que vous voulez dans la liste des 20 montures. En soi, à l'heure actuelle, elles sont à 720. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ne l'ont pas eu et qui sont en Belgique, vous pouvez très bien prendre ceci à 720 et même plusieurs fois et choisir la monture que vous voulez. Alors, 720, ça va, parce que normalement c'est 1000, je crois, la licence d'adoption, et puis les prix. Mais quand c'est à 1200 balles, ça fait très. 1200 balles, 1200 gemmes, ça fait très très mal, parce que c'est assez cher, même si vous pouvez la choisir, c'est assez cher pour une monture. Parce que quand je prends un pack, ou que je prends une apparence de griffon de croque de nuit, par exemple, on a quelque chose à 2000 gemmes, mais qui a un style, qui a quelque chose. Ou alors le pack entier, là, qui est à 1600, normalement est à 2000, mais bon, ça vous fait quand même 5 montures. Et là, c'est en réduction à 1600 gemmes, donc ça va. D'ailleurs, pour les gemmes, n'oubliez pas que dans la description, il y a le lien pour Instant Gaming pour acheter des gemmes moins chères, pour voilà, pour vous faire plaisir, etc. etc. Voilà, mais il y a toujours ceci. De temps en temps, les montures réapparaissent. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à continuer à suivre nos vidéos. Voilà, ça c'est l'historique de mes achats. C'est pas du tout ça que je voulais voir, mais enfin bref. Du coup, bah, cette vidéo est terminée. Je vais juste remettre le Raptor parce que je le trouvais assez joli. Voilà, vraiment très sympa, perso. Je suis assez content. Très content même. Du coup, ben voilà, c'est juste une petite vidéo de présentation, hein, c'est rien de bien grand, de bien beau et de bien fort, mais c'est ma première vidéo de mon retour en fait. J'aurai quelques vidéos en dehors de Guild Wars 2 qui sont à tourner, voilà, les projets de 2019 sont gros, il y aura plein de vidéos en 2019. Parce qu'on a eu quelques petites idées et décembre on sait pas trop en fait, on va aller vraiment à la baba cool sauf si des projets vraiment viennent sur le tapis, mais pour l'instant je n'ai pas de contact, que ce soit avec des éditeurs de jeux, que ce soit avec des marques ou que ce soit simplement des jeux qui m'intéressent personnellement, mis à part Darksider 3 qui m'intéresse très très fortement. Bah là j'avoue qu'il y a rien d'autre qui me tente, mais j'ai envie d'en profiter un max, donc je sais pas si je vais l'enregistrer. À mon avis je le finirai et puis je l'enregistrerai, donc on verra. En attendant, le lien dans la description pour Instant Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à m'envoyer des bisous en commentaire, à partager cette vidéo sur Twitter, à la retweeter à Zulodo parce qu'il n'est pas là à annoncer une vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt et bah ciao ciao tout le monde.